pour moi, c'est pas comme si je m'entraînais seule, entre guillemets, parce que bah, lui, c'est comme si j'avais un coach perso. Donc non, pour moi, forcément, vu qu'il est plus fort, entre guillemets, pour moi, c'est moins dur, je pense, parce que bah, lui, il me tire vers le haut, vu qu'il va plus vite, etc. Mais j'espère que moi, je lui apporte quand même des choses. Bah, je pense que déjà, un soutien, parce que je pense que vraiment être seule, genre pour la motivation, ça doit être vraiment difficile. De se lever et se dire, en fait, limite, comment dire, il n'y a que toi et toi, en fait. Tu dis, bon, bah, si je n'y vais pas, il n'y a personne qui me voit, tu vois. Alors que je pense que vu que je suis là, vu qu'on se donne rendez-vous à telle heure, etc., il est en quelque sorte obligé d'y aller et c'est ça en fait, je pense. Et puis je suis là quand je sais pas, c'est dur, on est dans une séance où c'est lactique, etc. Je serai là pour lui donner un petit coup de boost qui va faire que peut-être il va finir la séance ou la course, quoi. La saison dernière, j'ai pas pu courir déjà parce que on avait porté la saison hivernale sur la vitesse, donc on avait choisi de faire l'impasse sur cette saison-là. Et au final, aux portes des compétitions, il y a eu le confinement, donc ça m'a un peu freinée. Donc là, j'ai hâte de recourir. Et puis, on était parti sur une bonne lancée avec Dimitri dans la première saison où on avait collaboré ensemble. Je battais mes records souvent, etc. Et donc là, oui, j'ai l'objectif de... J'avais fait demi-finaliste aux élites, donc là déjà c'est de rentrer en finale. Et puis en termes de temps, j'aimerais courir sous les 13-20, quoi.